Bonjour. Aujourd'hui, je vais préparer une vidéo qui porte sur l'étude d'un nouveau projet. Et aujourd'hui, on va parler des ponts bascules pour les camions. Et c'est un appareil, bien un mécanisme qui nous permet de déterminer rapidement le poids d'un camion et de son chargement. La structure, elle est métallique. Et quand vous pouvez regarder ici le plan d'exécution de ce pont-là. Donc, j'ai trouvé sur Internet la définition pour bien comprendre de quoi il s'agit exactement. Donc, les ponts bascules sont des outils pour mesurer rapidement et précisément le poids total d'un camion et de son chargement. On va préparer aujourd'hui un modèle sur robot qui nous permet de dimensionner tous les éléments qui constituent un pont bascule en utilisant des profilés laminés à chaux et des tonnes métalliques. On va travailler puisqu'il s'agit bien d'un modèle 3D, donc je vais choisir l'étude d'une coque et je vais commencer par la définition des axes en se basant bien sûr sur le plan, bien sûr la conception déjà réalisée. Donc les poutres principales sont des IPE 330, les poutres secondaires sont des IPE 180 et les poutres solides sont des IPE 140. Et vous pouvez regarder ici et vous pouvez déterminer ici la distance entre les différents axes pour les différentes poutres. Donc je vais commencer avec une poutre principale distante de 2,8 mètres. Donc je reviens ici dans définition des axes. Par rapport à X, l'ouverture, je vais préciser l'emplacement des deux poutres principales. Je reviens ici par rapport à 0. Je vais ajouter un espacement de 0,3 pour la première poutre solide. Donc 0,3 mètres, la position de la première. Et après, par rapport à 3, je vais ajouter deux espacements de 0,2 mètres. La distance entre ces deux poutres-là est de 0,2 mètres et 20 cm. Cette poutre-là, elle se trouve au milieu et les autres, c'est l'image par miroir de ces trois poutres. Donc, j'ajoute 0,7 par rapport à la dernière position. Donc, par rapport à ce site, donc j'ai mis 2 ici, normalement, pour mettre un seul axe, mais je peux supprimer le 2,1. Donc, 0, la première poutre solide, la deuxième poutre solide, la troisième poutre solide et la poutre qui se trouve au milieu. Et comme je vous ai dit, les autres sont, je peux effectuer une copie par miroir. Par rapport à Y, vous avez ici une longueur totale de la poutre principale qui est égale à 8 mètres. Et regardez la coupe longitudinale, vous avez une poutre avec deux consoles. La longueur de cette console est égale à 0,25 mètres. Donc je vais aller ici, je vais mettre par rapport à 0 un seul espacement de 0,25. Et après, un autre espacement de 7,5 et finalement un espacement de 0,25. Et par rapport à Z, c'est uniquement un seul axe. Et voici les axes que j'ai dedans. Donc, je vais commencer par la poutre principale. Il s'agit bien d'un IPE 330.
pour la poutre secondaire, ou bien les poutres secondaires, sont des IPE 180. Et pour la poutre, les poutres solides, sont des IPE 140. Bien sûr, là, ici, je vais vous montrer la démarche, parce que pour ces caractéristiques géométriques-là, et pour le chargement qu'on va considérer, ben, ce sont les propriétés correctes. Juste, je vais vous montrer ici la différente démarche pour arriver à dimensionner les trois poutres principales, poutres secondaires et les poutres solides. Donc, voici la poutre principale de ce côté et de l'autre côté. Après, je vais continuer, mais avec les poutres secondaires. Distance de 1,800. 75. Et vous avez 5 poutres, donc 4 espaces. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je reviens à la définition des axes. Par rapport à l'axe Y et par rapport à 0,25, je vais ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 4 espacements de 1,875. Et vous voyez ici, j'ai précisé les poutres principales, les poutres secondaires, l'emplacement exact des poutres secondaires. Je reviens ici pour le IPE 180. Voici la première poutre principale, la secondaire. Je vais aller à une tribune pour afficher les couleurs du bar, pour distinguer entre les différentes sections. Après, je vais effectuer une translation pour ces barres. Et la dernière poutre. Je vais continuer avec les poutres solides. J'ai fait effectuer une copie par miroir pour les trois plans. Par rapport au plan YZ, c'est ça. Donc vous voyez ici. Donc je vais changer la section de la poutre principale. J'ai bien le niveau de 330. Donc pour le descente de charge, les charges c'est porté par la tonne, elles seront supportées par les poutres solides, après les poutres secondaires qui seront appuyées sur les poutres principales. Donc avant de continuer, je vais ajouter des appuis à ce niveau-là. Vous avez des appuis des rotules pour les poutres principales. Donc je reviens ici et je vais cliquer sur rotule deux fois et je vais nommer ça poutre appui pont. Il s'agit bien des poteaux circulaires de diamètre 15 cm. Ce sont des poteaux circulaires de diamètre 15 cm. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste pour terminer avec le pan? Je vais ajouter la toile métallique. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais créer une surface, considérée comme panneau, et je vais ajouter pour ce panneau-là les caractéristiques. C'est-à-dire que je vais spécifier qu'il s'agit bien d'une toile métallique et je vais préciser l'épaisseur pour que le bois après tient en compte du poids propre de la tôle métallique.
Donc je vais prendre Polyline et j'ai besoin de 5 nœuds pour définir notre panneau de panneau. Contour, il y a 1, 3, 4, 2 et 1. Ok? Donc, et pour cette surface-là, je vais ajouter une épaisseur, élément fini. Bien sûr, uniforme, regardez ici dans le plan, il s'agit bien d'une tonne métallique d'épaisseur 10 mm. Donc, je reviens ici, je vais préciser qu'il s'agit bien d'une tonne d'épaisseur 1 cm, une fois, et il s'agit bien d'un acier. Donc, concernant le poids propre de la tonne, elle sera considérée comme étant une, comment dirais-je, une dalle, une tonne d'épaisseur 1 mm, 10 mm, robot, bien sûr, le poids volumique connu, et donc elle peut calculer la masse, bien le poids propre de la tonne, qui sera, comme je vous ai dit, supporté par les autres éléments de la structure. Donc je reviens ici, et pour cette dalle-là, je vais considérer ça comme étant une tablier qui porte dans une seule direction. Donc ici, je peux préciser peut-être que le sens porteur, c'est ce sens-là. Donc pour les panneaux, donc c'est une dalle qui porte dans un seul sens-là, et vous regardez ici le sens correct. Donc la charge générée par la tonne, elle sera supportée par les poutres solides. Les poutres solides dans notre charge vers les poutres secondaires et par la suite vers les poutres principales. Donc du point de vue de modélisation, le projet est pratiquement fini. J'ai pas besoin de relâcher les différents éléments parce que je vais considérer après qu'il s'agit bien du encastrement au niveau des assemblages entre poutres principales et poutres secondaires essentiellement. Donc, je vais parler un peu des charges. Donc, les charges qui seront appliquées sur ces structures-là, le poids propre, bien sûr, des différents éléments, ainsi que les charges du camion. Et je vais considérer un camion classique dont je connais la distance entre les roues et la charge maximale pour ce pont-là égale 30 tonnes, donc à peu près 7,5 tonnes pour chaque roue. Donc, je vais commencer pour les charges. Donc, je vais ici modifier les unités parce que j'ai dit que les forces sont en tonnes, donc je dois changer l'unité de la force en tonnes. Et je vais commencer par la première charge permanente, et cette charge-là, c'est le poids propre de la structure. Donc, puisque c'est la première charge déjà définie, robot, elle va considérer. Elle va automatiquement calculer le poids propre des différents éléments. Donc, pour le poids propre des différents éléments, c'est-à-dire le poids propre des différents poutres, ainsi que le poids propre de la tonne métallique d'épaisseur 1 mm, 10 mm. Donc, comme vous voulez ici, vous pouvez ou bien créer une surface comme étant une bardage, ou bien face, et sur cette surface-là, vous allez ajouter le poids propre calculé déjà de la tonne. Sinon, vous pouvez considérer un panneau avec une épaisseur bien définie, avec un matériau bien défini. Donc, au bout, elle va automatiquement calculer le poids propre. Donc, pour les charges permanentes, avec un simple clic, elle sera automatiquement calculée par robot. Pour la charge d'exploitation, ici, j'ai la charge camion. Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est la charge maximale égale 30 tonnes. Donc, 7,5 tonnes pour chaque roue.
je dois préciser d'abord l'emplacement des roues. Donc, je vais prendre un espacement de 2 mètres entre les roues, transversalement, et 4,5 mètres longitudinalement. Donc, je vais transformer par translation le nœud numéro 1 de combien j'ai dit 2 mètres, donc 0,4 par rapport à x. Et par rapport 8 mètres 5, 1,5 par rapport à y. Donc, pour le 29 maintenant, par rapport à x, égal à 2 mètres. Et pour le 29, et le 30, je vais translater ces deux nœuds-là par rapport à y de 5 mètres. Donc, avec ces nœuds-là, j'ai précisé l'emplacement des roues. Et je reviens au niveau du chargement pour la deuxième charge. Il s'agit bien du chargement. Pour le charge client. Il s'agit bien du force concentrée d'intensité moins 7,5 pour chaque roue. Donc, pour la charge de traction sans charge du camion, bien sûr, je vais considérer le poids maximal et ici, c'est le poids propre de la slipper. Donc, je peux afficher ici aussi pour les panneaux l'épaisseur pour s'assurer que vous avez appliqué une épaisseur égale à 1,10 mm à 1 cm pour 1 mètre. Donc, à ce niveau-là, j'ai modélisé le pont bascule et j'ai appliqué toutes les charges qui sollicitent cette structure-là. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer la méthode classique, la génération des combinaisons de charges, ainsi que le dimensionnement des éléments qui constituent cette structure-là, essentiellement les trois familles, poutre secondaire, poutre principale et poutre solide. Je vous remercie. Bonjour à tous. Le modèle que vous voyez ici représente un pont bascule pour les camions. Peut-être dans une autre vidéo, je vais vous présenter les différentes démarches pour la modélisation ainsi que pour le dimensionnement des différents éléments. Dans cette vidéo, je m'intéresse à l'assemblage boulonnais et je vais vous présenter une partie sur la conception et le calcul de l'assemblage entre poutre et poutre. Donc, la poutre principale ici, il s'agit bien d'une poutre en IPE 330, et la poutre secondaire, il s'agit bien dans ce cas-là d'un IPE 180. Je vais traiter dans cette vidéo l'assemblage entre ces deux éléments-là. Pour faire ça, je vais sélectionner les deux poutres considérées, et je vais aller ici à dimensionnement, assemblage assis. Ici, pour sélectionner le nœud, l'assemblage considéré ou bien le nœud considéré, je vais cliquer ici sur créer un nouveau assemblage de structure. Donc, pour créer un nouveau assemblage, je vais cliquer sur « Créer un nouveau assemblage ». Donc, robot va détecter automatiquement l'assemblage et le type de l'assemblage considéré. Donc, c'est le nœud numéro 18. Et cette fenêtre s'affiche là, pour saisir les caractéristiques des géométriques des profilés, des caractéristiques mécaniques
et géométrique de, des volants sélectionnés, ainsi de suite. Donc je vais commencer par la géométrie. Donc le numéro, c'est numéro 1, l'assemblage numéro 1, entre poutre et assemblé au niveau de l'un. Donc la poutre principale de mon portail, c'est un IPE 330 et la poutre secondaire, c'est un IPE 180. Si je clique sur profiler, regardez ici, la poutre principale, il s'agit bien sélectionnée automatiquement d'après le modèle, il s'agit bien d'un IPE 330. Et bien sûr, comme je vous ai dit, la poutre secondaire, c'est un IPE 180. Vous pouvez regarder ici que je peux engendrer des modifications au niveau des caractéristiques géométriques affichées déjà dans ce schéma-là. Donc, pour le RB, bien sûr, Lana, où il faut connaître la position exacte de la poutre secondaire par rapport à la poutre principale. Par exemple, ici, je vais prendre le cas d'un 3 cm comme décalage entre la position de la semelle supérieure de la poutre secondaire et la semelle supérieure de la poutre principale. Vous pouvez aussi modifier la longueur LD, je peux taper ici par exemple 90. Comme je vous ai dit, c'est en fonction de l'objectif que vous cherchez de la position exacte entre la poutre secondaire et la poutre principale. Donc, en ce qui concerne la géométrie et la position de la poutre secondaire par rapport à la poutre principale, l'ANA, ici, vous pouvez sélectionner, vu de l'assemblage, hein, à chaque fois, l'ANA, vous pouvez modifier les paramètres, cliquer sur appliquer, et les paramètres, elles seront automatiquement modifiés sur le schéma 3D de votre assemblage. J'ai dit qu'il s'agit bien d'un assemblage entre poutre principale et poutre secondaire à travers des cornières. Pour changer la section des cornières, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez télécharger n'importe quelle section souhaitée. Ok. Donc je vais garder ici un double cornière 100x10. Ici, LA, il s'agit bien de la longueur de la cornière. Donc je peux prendre par exemple ici un 150 mm. Regardez, lorsque j'ai cliqué sur appliquer, la géométrie de. Et la longueur de la cornière a été automatiquement changée. Ok, donc la première partie, c'est pour l'attache. J'ai dit qu'il s'agit bien d'un assemblage entre deux poutres à travers une cornière. Donc j'ai coché cornière. Profiler, il y en a pour les deux profilés déjà sélectionnés ainsi que les caractéristiques géométriques qui indique la position exacte cherchée de la poutre secondaire par rapport à la poutre principale. Ici, les caractéristiques de la cornière est utilisée pour assembler, pour l'attache entre les deux poutres. Et comme je vous ai dit, le matériau, un acier généralement pour le domaine des bâtiments, c'est un acier S235, donc S235, donc acier par dépôt, et la section pour la simple cornière à L égale dans ce cas-là, choisie. Dans cette partie-là, est-ce que vous cherchez un assemblage polonais entre cornière et poutre principale et entre cornière et poutre secondaire, ou bien au niveau de la poutre, par exemple, je vais choisir un assemblage soudé entre poutre secondaire et cornière et un assemblage polonais entre la poutre principale et la cornière. Donc, j'ai sélectionné ici qu'il s'agit bien d'un l'assemblage boulonné entre cornière et lame de la poutre principale et un assemblage soudé entre cornière et la poutre secondaire. Si je clique sur appliquer, elle sera automatiquement modifiée. Pour les caractéristiques de soudure ici, je vais prendre de trois côtés un cordon de soudure d'épaisseur 5 mm. Pour les caractéristiques mécaniques et géométrique de l'assemblage, les conditions de pince aussi. Bien sûr, je vais modifier les paramètres ici, je clique sur appliquer et je lance le calcul pour vérifier, pour regarder le ratio de notre assemblage choisi. Donc, je vais choisir par exemple deux lignes, donc quatre boulons en total, deux pour chaque côté.
Donc, dans ce cas-là, je vais garder ici un W égal à 2. Si vous cherchez à avoir trois lignes, il faut modifier ça en 3 et cliquer sur appliquer. Bien sûr, il faut modifier après l'espacement entre les points. Donc, je vais rester toujours dans le cas de 2 et une seule colonne. Donc, K égale à 1, W égale à 2. Pour le diamètre, je vais prendre un M24 avec un boulon de glace 4-6. M24, c'est-à-dire boulon de diamètre 24 mm, et la glace, c'est la résistance du boulon. Je vais vous montrer ici les différentes classes du boulon. Et vous avez ici, qu'est-ce que ça veut dire classe 4-6? Ça veut dire une limite d'élasticité égale 240 MPa et une contrainte de rupture égale 400 MPa. Bien sûr, je parle ici des boulons ordinaires. Je reviens. Donc, j'ai choisi des boulons ordinaires de diamètre 24 mm, une seule colonne et deux lignes. Et vous avez ici E2 désigne cette distance-là, la distance entre l'angle de cornière et l'axe des boulons, et P2 c'est l'espacement entre les boulons. Donc, je fixe E2 60 mm et E1 par exemple en 50 et P1. P1 c'est l'espacement entre les boulons, E1 c'est l'espacement entre cette distance-là, comme déjà montré ici. Je vais augmenter P. Et voici donc le schéma final de l'assemblage. Donc j'ai choisi un assemblage soudé entre cornière et la poutre secondaire, et un assemblage boulonné entre la cornière et l'âme de la poutre principale. Donc la première partie en ce qui concerne les caractéristiques géométriques et mécaniques des boulons, et la partie inférieure, ce sont les conditions de base. Un paramètre très important, une remarque très importante. Regardez ici, après lorsque je lance par exemple ici le calcul, bien sûr, je vais étudier l'assemblage, je vais calculer l'assemblage par rapport aux conditions, les combinaisons à l'évaluation de Q. Regardez ici, donc un ratio égal à 0,79. Donc c'est vérifié. Et le plus important, regardez ici, à gauche, en bas, les efforts dans l'assemblage entre les deux éléments, vous avez pratiquement un élément soumis à un effort tranchant très important, et ou temps, et un moment fléchissant. Donc, les boulons, elles sont soumis à l'attraction, d'où vient l'attraction du moment fléchissant, et elles sont soumises aussi au cisaillement, d'où vient le cisaillement, engendré par l'effort tranchant. Donc, pour prendre le cas le plus défavorable, le plan de cisaillement, je vais supposer que le plan de cisaillement passe par la partie filetée. J'explique pourquoi. Donc, le ratio augmente. Regardez ici, si je reviens de présenter les caractéristiques géométriques des boulons, vous avez le A, c'est la surface totale, c'est pi phi carré sur 4, et vous avez ici l'air de la partie filetée du boulon. Donc, dans ce cas-là, je vais supposer le cas le plus favorable, je travaille sur un plan du cisaillement qui passe par la partie filetée. Donc, comme je vous ai dit, ici, il faut à chaque fois lancer le calcul pour les modifications déjà engendrées. Regardez le ratio. Vous avez toute la note de calcul ici, détaillée, et vous pouvez cliquer ici pour télécharger la version Word. Je vous remercie.